Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui le 6e patch de Mercedes 300 SL Dullwing de chez Adora Models. Comme d'habitude, vous avez tous les détails de cette collection dans la description. Le lien pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction, du forum, on s'abonne à la chaîne et on est parti pour ce 6e patch. Note 36, le dessous de caisse, il n'y a pas de montage. Le 37, c'est les tapis intérieurs. Donc on va commencer par le tapis gauche. On va le prendre, on va regarder déjà l'emplacement exact. Il va venir comme ça. Donc il vient bien s'aligner en haut ici. Voilà, on vient mettre ensuite le tapis passager. Puis on va mettre le tapis central. Et voilà. Donc c'est tout pour ce numéro 37. Le 38 avec les pédales, les leviers et le frein à main. On commence directement avec la mise en place de la pédale d'accélérateur dans le coin ici avec une vis EP. On prend ensuite le support de pédale avec la pédale A que l'on met là et une vis GP. On place notre ressort dessus. Comme ceci. L'ensemble vient juste là. On le tient avec deux vis HP. On vient placer ensuite l'avertisseur de freinage, notre pièce B, sur le support, la pièce C. On va venir comme ça ici. On met la fixation par-dessus, deux vis HP. On vient le mettre ensuite ici, une vis HP également. Quand on appuie sa pédale, on voit bien que ça appuie sur le bouton. On vient ensuite mettre notre levier de vitesse ici, en enclenchant bien là les deux encloches. Une vis HP en dessous. Notre frein à main, lui, vient sur le côté ici, avec une vis MP pour le tenir par le dessous. Et voilà pour ce numéro 38. Le 39, c'est le tapis arrière. Voilà pour ce 39. Le 40 avec le siège conducteur.
on commence par venir assembler le tout sein du dossier avec l'huile d'assise. On y met deux vis NP en dessous. On vient mettre l'ensemble juste ici sur la coque et on y met 4 vis MP en dessous. On vient le mettre en place par ici. On va retourner mettre la rondelle et une vis NP. Et voilà pour ce numéro 40. Le 41, c'est le siège passager. On vient mettre le dossier sur l'assise. Deux vis NP. Le siège dans sa coque avec 4 vis NP. On vient le mettre en place ici. On y met la rondelle avec une vis NP. Et voilà pour ce numéro 41. Le numéro 42, c'est les panneaux latéraux. On récupère déjà le gauche. On vient mettre par ici et on va le tenir avec 3 vis HP. On vient ensuite mettre le droit en face, on y fait la même chose. Et voilà pour ce numéro 42. Le 43, c'est l'habillage du coffre à bagages. On vient le mettre en place juste ici. Et on y met 4 vis HP. On vient le mettre en place sur notre châssis. Notre câble doit passer dans le trou ici. Voilà, j'ai desserré un peu le tablier pour pouvoir bien venir mettre ça en place. On va venir mettre des vis PP. Comme ceci. On vient brancher le tuyau de frein intérieur. Dans le trou qui est au fond là-bas, et dans le mauvais sens. Et voilà pour ce numéro 43. Le 44, c'est les enrotoises. On prend déjà l'enrotoise gauche. On va venir l'insérer à l'intérieur ici. Et dans le picot à gauche. On la tient avec une vis CM en haut ici. Ça me fait penser que je n'ai pas resserré mon tablier. On vient mettre le deuxième en face. Et voilà pour ce numéro 44. Le 45, on a les sangles et les barres de protection. Alors, on va déjà venir passer nos sangles. Donc,
en mettant le côté le plus propre vers nous, vers le haut. On vient le passer. Voilà. À l'avant, on va venir mettre la barre de protection avant. En la glissant ici. On vient mettre ça en place par ici. Donc on va déjà mettre la barre avant en place. On va l'enclencher de chaque côté dans les trous. Et il ne faut pas qu'on mette la protection arrière pour l'instant. Et voilà pour ce pack numéro 6. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!